Waouh, on arrive enfin. Vous avez vu, on peut pas rentrer comme ça, hein, avec des genoux, hein. C'est même à genoux, hein, attention. Ouais, là, on peut enlever. On n'est plus en moto, il n'y a plus la poussière. Regardez ce qui se passe. C'est les gars tranquille, hein. Ils mangent. Donc on arrive. Je voulais vous montrer le ashram Beatles, mais une autre fois, hein, on a passé devant. Regardez, là, ils sont bien. Hein. Ils se mettent à l'ombre. Ils ont toute leur maison. Et ils sont tous là. Ils sont au soleil, sans l'abri. Donc, tac. Et là, et en face, si vous regardez, Munikireti. Munikireti, où je suis venu en septembre, octobre, novembre, avant de partir pour la Thaïlande. C'est entre Rishikesh et puis le Tapovan et la Mecque du yoga. Là, hein. Donc, là, on a un tout gros lieu. Là, regardez, de jour comme de nuit, ça. Ça bosse, quoi. Si vous regardez là-bas, c'est le tout grand Ganga Resort où on était. Voilà, il y a du béton à mon haut. Et regardez celui-là, il fait du yoga. Allez, on va voir. Ça, c'est sympa la posture. Mais c'est de nous, hein, ils ont compris. Il reste longtemps. Il va rester, je sais pas moi, 20 minutes, une demi-heure. Et regardez. Pas ce que vous voyez, j'ai pas de retour. Ce que vous voyez, et non, il lit des prières ou quelque chose. Hein. Enfin, il bosse quoi, les mecs. Il bosse là physiquement, mais il peut très bien en train de canaliser l'énergie. Il descend et va dans les pieds, donc c'est vraiment il essaie de s'aligner. Et lui, là, il apprend. Regardez. Lui là-bas, ben, il bricole avec son. Et voilà, là c'est la Ganga, la rivière. C'est un Surya Namaskar, hein, une salutation au soleil. Bon, le soleil est derrière lui, là. Il a 6 heures de retard, le bonhomme. Mais moi je dis, hein, mieux vaut tard que jamais. Hein. Enfin, c'est pas moi qui dis, hein. C'est ceux qui sont en retard, comme moi, toujours. Voilà, donc c'est moi qui dis aussi. Mince, fallait pas dire. Bon, arrêtez. Les gâtes. Alors, les gâtes, regardez. Oui, c'est l'escalier. Ça veut dire que même quand il y a beaucoup d'eau qui monte, dans un mois, il y aura la pluie qui descend. Et il y a beaucoup d'eau qui monte. Et là, on peut accéder à la rivière, quel que soit le niveau. Hein, c'est... Allez, ici, merde, c'est comme ça qu'il faut faire. Vous ferez comme ça. Hein. Et hyper froide, enfin, pour les maigres comme moi. Hein. Voilà, tac. Tac, tac. Adhérer, ouais. Donc voilà, c'est tout du bon, hein. Voilà, on va essayer de zoomer. Alors, bah, oui, je sais, j'ai une super caméra. Moi, j'ai une caméra, elle est bien, c'est l'optique. J'ai pas d'optique. J'ai 4 caméras, mais j'ai pas d'optique. C'est ça qui coûte cher, hein. Bon, voilà, je vous laisse pour le moment. Oui, voilà, faut pas oublier. Moi, j'ai oublié mon bandana, tout ça. Là, c'est la science, là, c'est midi, donc il faut beaucoup. Il y a des fontaines partout, là. Voilà, on va remonter. Bon, on va se retrouver. À l'entrée interdite pour les gens comme moi qui ont. Ah, les touristes! Le mec, il est depuis 6 mois et il est toujours pas équipé en mode. Regardez, il est le gros touriste 6 mois après. C'est comme ça. Hein. Je vais mettre à l'ombre. Ouf, faut que j'arrête. On est dû à 400 mégas. Il y a 3000. Mon dieu, 100 mégas par minute. Ça, c'était pour la technique. Il n'y a plus qu'à uploader qu'elle. Oh, joli. Ah, ils n'ont pas de soucis, hein. Salut! Allez, ciao, ciao, hein, je vais discuter un moment avec la bête. Je vais continuer sur son dos. Je vous laisse, hein.